Provence, je souhaite à chacun d'entre vous, vous souhaiter le bienvenue au le gala de sommelier de Nice Côte d'Azur Provence et j'espère que cette soirée va être une soirée mémorable pour tout le monde et je suis très content de vous voir tous avec nous. Et bon, il y a quelques personnes qui ont téléphoné dernière minute, ils ont annulé malheureusement leur table, il y a quelques personnes qui étaient malades. Mais bon, avant de commencer vraiment le speech, je veux remercier les gens qui cette année ils nous ont vraiment aidé, notre association, et grâce à eux que l'association a pu faire différentes actions. Je souhaite d'abord commencer à remercier mon bureau. C'est vrai que grâce au bureau, on fait pas mal de travail, pas mal de différentes choses. Je souhaite commencer à remercier le premier vice-président de l'association des sommeliers, M. Lionel Campan. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Remerciements. Merci bien. Alors, la deuxième personne, c'est Joël Landais, qui est responsable de communication. Joël. Joël. Et Michel Forestier est la vice en charge de la promotion de l'association. Bravo. Bravo. Merci beaucoup, vraiment très sympathique. Ça marche. Non, ça marche. Non, ça marche. Merci, merci mille fois, parce qu'en plus, je suis très très ému, merci, merci mille fois. Mon plaisir. Elle vient me faire une bise quand même. Elle est bise quand même. Ensuite, c'est Bernard Fromager, c'est commission des sages et maîtres sommeliers. Alors,
Stéphane Grimaud qui est le vice-président chargé des sommeliers du vin. Malheureusement, ce soir, il avait un mariage dans son établissement. Il n'a pas pu se libérer de venir, mais quand même, on peut l'applaudir. Monsieur Fromager, s'il vous plaît, merci pour tout ce que vous faites pour nous. Et voilà, j'ai tout dit de la sommelier de l'association. Merci. Alors on doit remercier aussi le Olivier Mercier, votre hôte de ce soir, qui est chargé à la finance. Alors Olivier a fait un travail remarquable pour choisir les vins de ce soir. Choisir les mains de ce soir. De l'association qui a aidé dans la jeunesse, Alexandra et Rézi Bouclé. Merci pour ton travail également. Alors, secrétaire général de l'association, monsieur Parfait, Ludovic Parfait. Elle a dit qu'elle allait redoubler d'investissement pour l'association. Bravo. Bravo pour tous tes commentaires. Vraiment, on est très fiers de vous avoir avec nous. C'est chaque jour avec tes commentaires, on s'enrichit de tout de savoir-faire, ta bonne humeur et vraiment merci pour tout. Merci beaucoup. Merci. Alors, dernière personne, moi, au bureau, c'est Alexandre Simonnier. Alors, Alexandre, ambassadeur à la jeunesse. Alexandre a fait un travail remarquable pour promouvoir le métier de sommelier et pour les élèves. Et si vous regardez sur notre site internet, vous pouvez vous apercevoir que il y a un travail conjoint avec une campagne qui a été fait la semaine dernière au lycée de Menton. Bon, Alexandre, encore je te remercie. Alors, le 26 février de cette année, j'ai succédé à Virgile Vanier, notre ancien président, et je souhaite remercier Virgile pour tout ce que tu as fait pendant trois dernières années. Et c'est grâce à le travail que tu as fait. Je sais qu'à l'époque, il n'y avait personne qui avait envie de prendre la direction de l'association. Et toi, avec le courage, tu as pris cette tâche. Et vraiment, tu as fait un travail très positif. On essaie de continuer ton travail. Et à part le médaille, je souhaite te offrir quelque chose de personnel. Voilà, ça c'est un cadeau que le bureau t'offre. Moi je souhaite t'offrir un cadeau. Merci beaucoup, merci infiniment. Je souhaite t'offrir un cadeau personnel que l'élève a apporté. C'est une petite terre de la patrie, la Perse. Et voilà. Habille-toi. Et voilà pour te dire, je t'apprécie, apprécie énormément. Merci pour tout. Et j'espère que tu vas le garder en souvenir. Et moi, je vais garder un très bon souvenir de toutes tes actions. Merci beaucoup. Alors, bon, vous pouvez commencer, mais je vais continuer à faire le dernier remerciement. Alors, je souhaite remercier les personnes qui sont à cette table pour différentes raisons. D'abord, je souhaite remercier M. Kamerbeck, parce que grâce à sa gentillesse,
qu'on arrive à faire notre travail correctement. M. Kamerbeck a la main sur le cœur et c'est vrai que depuis quelques années, il nous reçoit chaleureusement chez lui. Et l'association vous remercie pour vos sympathies envers l'association. Et vous êtes parmi les partenaires privilégiés de l'association. Et franchement, au nom de l'association, merci. Alors, petit souvenir. Alors, notre partenaire que je souhaite saluer et qui a fait le honneur d'être parmi nous ce soir et qui a mis tous ses moyens de communication pour l'association, et c'est Sophie Mangelé-Jean qui est créatrice de l'agence Porte 4. Et notre partenariat naissant a été aperçu très positivement et longue vie à notre collaboration. Alors à part cette petit souvenir, on souhaite... Voilà. Alors une autre chose que bon, je souhaite t'offrir particulièrement, bon, c'est une fleur éternelle. Comme ça, encore, voilà, pour avoir sous ton bureau, en pensant que bon, ainsi que ça fait, et bien apprécié de ce que cette année t'as fait pour l'ensemble de l'association et la promotion de l'association. Merci encore. Merci. Une autre personne que je souhaite saluer ce soir, c'est notre partenaire presse. Voilà, depuis quelques années, on a la chance de travailler avec M. Bernard qui toutes nos informations sur Email Gourmand. Et cette partenariat permet de faire en sorte que les actions de l'association soient relayées, soient vues par l'ensemble des professionnels. De la restauration. Merci Bernard. Merci Bernard. Alors je vous laisse manger tranquillement et après on reviendra vous parler de différentes choses tout à l'heure. Très bonne soirée, bon appétit. Alors, on va essayer de faire ces remerciements table par table. Je voudrais remercier chaleureusement M. Mandirola, qui est partenaire de cette soirée, soit en champagne, soit en des cognacs que vous allez déguster tout à l'heure. Partenaire. C'est vrai, c'est difficile après quelques verres de vin, de voir tout à l'heure c'est des champagnes, maintenant c'est M. Mandirola. Bon, Paul, pendant des années, nous a aidé dans différentes manifestations. Et de cette manière, on remercie Paul pour toutes ses gentillesses et tout ce qu'il apporte pour l'association. Voilà. À cette table, on peut remercier notre ami Denis Camel. Je vais le remercier dans le sens qu'il ne faut pas oublier demain matin, Denis organise au château de Créma la dégustation pour son guide et guide des vins de Provence. Et si les vins sont disponibles,
assez tard, mais enfin, on remercie deux personnes. Alors, je vais demander à Gérald de Roubi, le directeur du Château d'Enfant du Roi, et Gendel Zébic, directeur de la maison Cédric Moresista, qui a parti de terme, Valdarin qui abandonne et Château de Roussade, beaucoup de progrès. Alors Laurent, vous avez dégusté tout à l'heure la faune groc. François, ils ont fait gentillesse et l'honneur de nous donner ce vin. Et la faune groc, comme vous savez, c'est parmi les grands vignobles de Côte-de-Provence. Et c'est le moment où nous, on souhaitait, par intermédiaire de l'association du bureau, remercier Antoine, mais le domaine aussi de la Côte de Bronx, dans le sens, pour ça que bon, c'est une partenaire en pluriel, vous êtes tous les partenaires privilégiés de l'association des sommeliers, et on remercie de tout ce que vous faites pour l'association. Alors, Alain, ça aussi, depuis très très longtemps que je monte l'association des sommeliers, et chaque année, tu nous apportes pas mal de choses. Et cette année, tu étais partenaire de l'association pour le premier plat, le vin d'Alsace qu'on a dégusté et le vin de dessert que vous allez déguster tout à l'heure. Alors, le bureau a décidé d'offrir de son petit présent pour que tu saches qu'on apprécie pour tout ce que tu fais pour nous. Et on est vraiment très très contents. Et merci à vous. Ce soir, on souhaitait remercier M. Philippe Lose, qui est propriétaire de Château Lausanne. Malheureusement, il a tombé malade, mais il n'a pas pu être présent. M. Philippe Lose, il nous a permis, il nous a mis une demi-hectare à notre disposition, pour qu'on puisse faire une vendange et une vinification et faire notre cuvée de sommelier. Et tout à l'heure, chacun en partant, l'association offre une bouteille de vin blanc et une bouteille de vin rouge. En partant à l'extérieur, chacun prend une bouteille et vous pouvez déguster notre cuvée. Et ensuite, on remercie tous les partenaires. Alors, à cette table, on a un partenaire et un ami, mais comme vous savez, un grand ami, Bruno Escavo, il y a deux semaines, voilà. Bon, malheureusement, Julien est allé, je crois, s'occuper de la petite. Et le bureau a souhaité offrir un petit présent à Julien et Bruno. J'espère que vous allez apprécier. Alors, un autre grand partenaire, depuis des années et des années, c'est M. Fréval. Monsieur Fréval nous fait une gentillesse chaque année de participer à différentes manifestations de l'association. Et de cette manière-là, on souhaite remercier M. Fréval de faire sa gentillesse. Et voilà, merci un peu pour toutes vos sympathies et gentillesse. Alors, on lance à cette table, on va remercier. Et un remerciement à Laurent Perrier, avec deux représentants. Non, c'est pas moi. Régis, c'est travaille très souvent avec toi et ton collègue, et voilà, je crois que David il couvre Monaco, Menton, de Alors, en tout cas, vous remercier pour votre partenariat cette année, avec les différents groupes que vous offrez à l'association. Et grâce à vos alors, c'est un
morceau, c'est vrai que sur tous les lots, 300 enveloppes, il a acheté au moins 100 pains. Voilà. Mais merci les gars pour votre fidélité, votre sympathie, et merci beaucoup. Et rendez-vous à l'année prochaine. Sur cette table, je fais un remerciement à trois personnes. Et M. Bies, qui est toujours aussi fidèle à l'association, qui chaque année on prend des différents lots, permet que notre gala et notre gala passe bien. Et Laurent, je te remercie chaleureusement de la part du bureau. Et merci pour tout ce que je fais. Ah, Julia, tout le monde t'a parlé. Alors, c'est monsieur Fromager. Maintenant, on parle avec Stéphane, qui est représentant de Agence Macdon, pardon. Et ils nous ont fait gentillesse d'être partenaires de cette soirée et en vous faisant déguster nos cancers. J'espère que vous l'avez bien apprécié. Et voilà, le bureau a souhaité te remercier. Est-ce que ça marche? Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. De ce nouveau président, monsieur Adil Daya, qui a fait une très belle prestation. Merci à lui, applaudissez-le. C'est vrai que c'était vraiment très émouvant et voilà, c'est tout, c'est mes amis qui participent à cette soirée et je remercie encore chacun entre vous d'être là et voilà, cet applaudissement et tout ça, ça m'a vraiment touché fort de mon cœur. Merci encore à tout le monde. Merci. Moi, je connais déjà l'association depuis une douzaine d'années. Je connais les présidents. Je suis très heureux qu'on a élu un nouveau président. Tous les autres présidents, c'était des hommes formidables, mais Ali a un esprit très spécial, très inspirant. Et ça a devenu clair, ça a devenu clair ce soir. Je pense que je vais voir les grèves ce soir, je ne sais pas. J'attends. Voilà. Yeah, you like grapes. Yeah. Okay. Allez Michel. Ah bah c'est loin, hein. Wow. Qu'est-ce que tu veux dire? Wouh! Juste sur la peau, hein. Like that, this. Ah, the side. Ouais! Ouais! Wouh! Ouais! 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 Congratulations. So this means I'm a real sommelier. Bravo Michel! Bravo Michel! Ha ha ha!